Nicole est venue nous rejoindre, et voilà. Dans la cathédrale du Puy. Alors voilà, une Mauricienne, sa Bernadette. Je vous offre le chemin en cassette vidéo. Château, le juge. L'encousine. Alors c'est la rue des Tables. Magnifique. Bon début, j'en suis ravi. Petite piétonnière. Ce ne sera pas tous les jours comme ça, mais là nous avons Sœur Bernadette. Oh, un pellegrino. Bon, ben c'est bien, tu as l'air d'être assez content, hein. Ravi. Et Saint-Jacques, c'est où? Loin. Ah, elle est belle. 1621, cœur d'amour pour le Christ. Et nous sommes à 1698 km de Saint-Jacques-de-Compostelle. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai des grains de sable dans les chaussures. Ah, ça y est, fais voir. Oh là là! Je comprends maintenant. Ici, nous sommes à La Roche, Luc. Ouais, nous sommes le 25 juin et nous démarrons notre grand pèlerinage. Voilà. On est en pleine nature, on vient d'avoir un bel orage, mais le temps est beau et même s'il pleut, notre cœur est ouvert. Un contour de ce que Gérard et moi avons pratiqué. Dans ce siècle, combien de jubilés on aura-t-il encore? Ah, et quand le prochain? Le plus qu'un. Il n'y en a plus qu'un. Le prochain, il est en 2016 et après, c'est le siècle suivant. Ce qui veut dire qu'on sera peut-être au prochain, si tu le veux bien, on mais sûrement fait... pas au suivant. On fait un pacte. Alors? Rendez-vous. Rendez-vous 2016? Voilà. Sur le chemin? Sur le chemin. Avec joie. Voilà. Ah, c'est super, hein? C'est fait. Elle est belle, cette croix, hein? Super. Vous avez eu l'orage? Ah oui. Beaucoup de pluie et ça va. Église de Saint-Christophe. Une tortue, ça avance jamais. Soyez sage, hein. Oh, calme. Tu vas doucement à la maison. Ouais. Allez, chien. Yeah. Ça va? Voilà, Nicole Allègre, elle est là. Tu vas, voilà. Voilà, bonjour. Voilà, c'est Luc Bax. L'île Maurice vous salue. Comment vas-tu? Ça vient tout si fort. Ah, c'est comme ça que tout sèche. Salut. Nous sommes le 26. Oui, c'est bien ça. Voilà, il est 5, quelle heure? 5h30. Voilà. J'écris mes mémoires. Petit déjeuner? Ah oui, j'ai faim. Vers quelle heure? 6h. Et nous partons de chez les Allègres? Oui, mais café au lait de vache. Il est quelle heure? Il est 6h15. Oh putain, on est en retard, Luc. En retard, Gérard. Tu vois, on a fait comme la première fois. Hein. Eh ouais. Petit retard, ouais. C'est pas bien, hein, Luc. J'ai pris du retard, c'est quand c'est pas ça. On dit de la ferme, n'est-ce pas, Nicole? Oui. Voilà, merci, Nicole. Merci. Alors, regardez ce qu'elle oui, a oui. mis. Oui, une pile d'olive. Voilà. Avec un peu de sel, on va se régaler avec les tomates. D'accord. Cette journée est belle. Si. Température? Eh bien, là, il doit faire à peu près 15 degrés. C'est bon, t'es en forme? Josiane avait peur des 35 degrés, il en fait que 15. On a pris de la longueur. Oh, eh oui, gars, eh super. Oui. Aïe, merci, aïe. Soleil. Doucement. Regarde, tourne-toi, Luc. Regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est beau. Avec les oreilles et tout. Magnifique. Voilà. Qu'est-ce que tu nous fais, mon bon Luc? Ben, direction, hein. Pas ouais. Trompé, là. Et alors? Tu ne trouves pas? Non, je ne trouve pas. Et c'est quoi le papier que tu as là, à côté là? À mon regard, oui, c'est un certificat. Ouais. Qui s'appelle un crédential. Ouais. Ah ben avec les estampes de toutes les villes ou villages que nous visitons. Tu peux me montrer? Alors Gérard, moi j'ai commencé là. Ok. Mais Gérard a commencé là. Ah d'accord. Donc Gérard, 1, 2, 3, 4, 4 en plus que moi. Oh là ça là. M'énerve. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Donc, je crois que je vais m'en aller un peu plus vite que lui. C'est bon. Quel village, Gérard? Montbaudet.
Voilà, après 4h30 de marche, stop. Oh là là. Un quart d'heure. Et Gérard, lui, les chaussettes. Tiens, t'as vu Luc, regarde comme il est beau ce petit cœur d'amour. Oui, il est beau, hein. Magnifique. Bye. À tout à l'heure, hein. Montre-moi le chemin. Je vais essayer les deux bâtons. C'est à Saint-Jacques que tu vas, hein. Je vais essayer d'aller déjà jusqu'à Saint-Privat. Ok. C'est beau, c'est beau. T'as vu, hein. Magnifique. Tu traverses la forêt de Saint-Privat. Ah ben, on vient des petites roches, des petits cailloux. Et ils sont où? Ils sont plus là. Tous les matins nous allons plus loin, jour après jour la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle, Oultrey. Et voilà Saint-Privat d'Allier. Alors il est midi et quart, si on ne trouve rien à manger puisque c'est dimanche, en 13 km, on se tapera encore 2 heures. Ouais, pour 13 km voilà, on écoute, en a fait midi, 18. Écoute. Il est midi. Voilà. Luc, tu vois pas le village? Oh là là, les bois. C'est une petite chapelle du 12e. Et dessous, Monistrol, notre étape. Une peur rude, mais arriva la princesse de Rochebure. Mignonne petite chapelle. C'est une très jolie petite chapelle. Magnifique. Luc, tu es arrivé à Rochebure. Oui. À toi l'honneur pour le cahier. Oui. De la chapelle. Ah, elle est magnifique, écoute-moi mon Luc. Par contre, est-ce que j'ai mis le bouquet de fleurs? Non. Mais non. Alors je vais retourner porter mon petit bouquet de fleurs. Et mon cœur. Tout à l'heure. On l'a vu, mais elle est là. Une chute énorme. Luc se repose. Il a tellement souffert de la soif. Il a pris. Luc, qu'est-ce que tu fais? Ah, super! T'as trouvé de l'eau, toi? C'est où la mer? Par là à gauche! On descend sur Monistrol! Il y a une affiche là-bas si vous êtes égaré, à 50 mètres. Non, c'est un bon bois là. Qu'est-ce que vous faites au bout du village là? Ça monte pas beaucoup maintenant. Non, ça monte juste un peu. Voilà une bougie d'étape. Oh, c'est une cabane de berger. Peut-être que Luc, il dort dedans. Je vais aller voir un petit peu dans le gîte. Et il a des porteurs. Ah oui, il a des... Non, qu'est-ce qu'il nous a dit? Des porteurs. La prochaine fois, il payera des porteurs. Ouais. Ouais. Très costaud. Allez, on va essayer d'aller voir s'il est là. Anne-Marie, est-ce que tu sais pas, t'as pas vu Luc? Tu sais le... Notre ami... Le Mauricien? Ouais. Ah oui, je crois qu'il est couché. Oh, mais il dort. Nous sommes où, Gérard? Ben, là, nous sommes à Monistrol d'Allier. Fantastique! Au bout du village, à côté du cimetière, ça fait et c'est l'Allier en bas où on fait du canoë. Non, tout au fond, la chapelle. Fermée? Ouais. Dommage. Elle est sous la base de la... Allez. Oh, à bout de terre! Mais tu vois, les pieds vont bien, tu vois. Voilà. Et puis, on a mis la teinture de Béjoui. Tu vois, un peu de sénophile. Oh, les bœufs, on en trouve, hein, les vaches, ça c'est super. T'avais soif, hein? Quelle fatigue! Ça veut dire donne un petit geste d'amour tous les jours. Ah bon. Quel est votre prénom? Marie-Louise. C'est bon? Une gorgée tous les quarts d'heure. Hein. Bon, combien de kilomètres depuis ce matin? Ben là, on en a... Ah, podomètre, tiens, regarde. Ici, 8 km 910. Donc 9 km. Exact. Ici, tu as le miam-miam dodo. Miam-miam, dodo, manger, okay. Dormir. D'accord. Là, il y a toutes les adresses. D'accord. Et ici, on a le livre avec toutes les cartes. D'accord. Pour pouvoir se déplacer. Donc avec ça, tu descends jusqu'au bout. Tu vas jusqu'à Saint-Jean-Pied-de. Comment vas-tu? Ça va, ça me gêne cette merde. Comme ça, on aura notre chemin éclairé. Hein.
Tu vois là. Ah ben tu vois, c'est un pli de la chaussure. Ah là, elle est en la poule. Ah, elle y est. Ah oui, elle y est. Ah ouais. Elle y est là. Ah ouais, ouais. Mais on va s'en occuper tout de suite. La trousse médicale. L'aiguille et le pile. Quelle couleur, Luc? Quelle couleur veux-tu? L'espoir. Je lui perce. Là. Ça y est, j'ai percé. Mais pour faire une sécurité, je vais percer deux fois, Luc. Une fois là, et je prends en travers. Ça, c'est la technique à Gérard. Tu vois? Voilà. Okay. C'est bon? Oui. Alors regarde, je t'ai croisé là, Luc. Oui. Tu vois? Voilà. Tu vois le fil? Oui. Voilà. Alors maintenant, je prends mes ciseaux. J'enlève, tu vois, ici. Voilà, là j'ai coupé, d'accord. Gérard, c'est fait, hein. Allez. Il est là? Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais, super. Ah ouais. J'ai faim. Et puis, on a un bel étendage. Le loup du Gévaudan. Loïc, Vanessa, Ludovic, Yannick. Je crois qu'on a vu ce film, je crois bien. Ce fameux loup qui a tué tant de personnes. Il est vraiment descendre sur Saude. Ok, c'est parti. Il est 1h de l'après-midi, on sort de Sauge. On sort de Sauge. Alors, casse-croûte, on meurt de faim. De l'huile d'olive, ici, et du beurre, pour manger, avec tout notre petit... Et du sel, et du sel. Et le sel est là, bien sûr. Voilà. Avec ça, on va être comme des rois. Voilà. Un repas de... rêve. Avec 100 000 mouches autour de nous. Tu fais de superbes trucs, toi. Ah, oui. Et tu as aussi de l'huile, alors? Il y a de tout. Ah, le top, c'est ça. Oh oui. Oh, que c'est beau. Ah, ça, c'est super. Ça, j'avais jamais vu ça dans un pèlerinage. Bon appétit, Luc. Eh bien, ça, c'est la tour de la Close. La Close, c'est un petit village qui protégeait, si tu veux, tous les secteurs aux alentours par rapport au Gévaudan. 6h45. Monsieur Luc Bax se décide quand même à partir du gîte. Et voilà, nos amis s'en vont. Nos amis de Munich. 1892. Ah oui. T'as vu ici? Regarde. Oui. Oui, oui, j'ai vu. Ça, c'est ceux qui travaillaient à l'intérieur. Celui-là, c'était un menuisier. Luc. Pas beau, ça? Elle est magnifique. Et merci, madame, de nous faire un si joli sourire. C'est les fleurs de gentiane. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le fuge. Ça? Oui, il la broie. Il la broie, il font sécher. Ouais. Quand on boit de la suze, c'est ça? Ouais. Allez, Mimi! C'est bon, là? Encore. Mimi, je l'arrive! Ah, c'est bon, quand même. Oh, oh! Oh! Voilà, Mimi! Ah, yeah. On va voir la pêche à Gérard. Le pèlerin a des difficultés. Vous avez des soucis, Luc? Une roche. Ah, comme quoi un petit grain de sable peut gêner beaucoup la marche du pèlerin. C'est une grande donnée philosophique. Mais nous allons quitter maintenant la Haute-Loire pour la Lozère. Alors, la fontaine Saint-Roch. Voilà, quand les pèlerins arrivaient assoiffés, il y a toujours de l'eau fraîche ici. Et pour Saint-Roch, un bouquet de fleurs. Voilà. Il a des coquilles, donc c'est un pèlerin, le Saint-Roch. Et il a une blessure ici, son chien tient la miche de pain. Donc il protège les malades et les lépreux et tous les pèlerins qui allaient sur le chemin. Une chapelle fermée? Ouais, c'est pas bien. Hein. Quoi ça? Il y en a une autre, tu verras, on en aura encore une, ah, encore oui, plus belle. À quelle période? Ah, ça c'est une fois du Moyen Âge. Celle-là elle est très très vieille. Hop. Hop là. L'Imagnol, en plein Aubrac. Ah, mais c'est Benjamin qui est là, dit. Comment ça va? Ben c'est bien. Encore sur la route? Ouais, ben t'as déjà bien avancé depuis le puits, hein? Ah ben j'avance un petit peu. Alors c'est le château de Saint-Alban. Et Gérard négocie la visite. Alors nous arrivons à côté du château, c'est la mairie. Ce qui est assez fantastique, ce sont
couleur de pierre, le clocher de cette magnifique cathédrale. Semble-t-il que... Là, c'était les bains, hein. Du marché qui a lieu, hein. Ben oui. Alors là, départ de Saint-Alban. Et déjà, les pèlerins qui descendent. Et reviennent de Saint-Jacques, peut-être. C'est les vaches du... de l'Aubrac. Il y a une escale qui arrive. On verra. Tu vois, alors, ce Christ m'a beaucoup touché à la... lors de mon retour. Parce que tu vois, pour moi, tu vois l'enfant qui est ici, et on venait de me raconter une histoire d'un enfant qui était tombé d'un rocher, et le papa ne l'avait pas vu, et il l'a écrasé avec son tracteur. Et moi, quelques minutes après, je tombe sur ce Christ, où tu vois, regarde, il est marqué, il a été touché dans son cœur par ce clou. On voit bien la forme hein, du bébé, de l'enfant. Alors voilà un petit, on va y mettre ceci. Quand on trouve un petit coup à l'ombre, mais on s'arrête. Ah, tu as trouvé juste le petit coup à l'ombre, Luc, hein. C'est le départ, hein. C'est le chemin, là. Parce que chacun vers notre destin. Pour nous, c'est au Mont-Aubrac. Un très joli pigeonnier du XVIIe siècle sur notre chemin. Il est mignon, hein. Je suis dans la petite chapelle d'Aubrac. Avec un gentil pèlerin qui vient vers nous là. Okay. Je le vois arriver, dis donc. Bouge. Ça va? Pas mal, oui. Tu sais qu'il est parti, Luc, il est parti, Thomas, pour aller jusqu'à Saint-Jacques s'il peut. Ben, il y aura deux Saint-Jacques là. Et on était à la messe ensemble hier soir. Hein. Tout à fait. Le chemin de Saint-Jacques passe sous l'autoroute. Dis, Luc, il faut finir notre lait. Hein. Non, mais rigole pas. Oui, allez, vas-y. À toi. Ben, allez, Luc. Ouais, ouais. Bon, quand même. Ah là là, là. Ah. La poubelle s'en va. Oh là là, tu verras. Non mais excuse-moi Luc. Hein. Thomas, tu as vu à qui il y a affaire là. Tu as compris. Ça ne doit pas être facile tous les Thomas, jours. On te dit au revoir. Tous les matins nous prenons le chemin. Tous les matins nous allons plus loin. Jour après jour la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle. Voilà les très jolies croix de l'Aubrac. Voilà. On ne laisse rien dans la nature. Non. Monsieur, bonjour. T'es de l'eau aux plantes, là? Oui. Mettez un peu pour voir comment vous faites ça. Ah, mais c'est super. Et ben voilà. L'artisanal, c'est ça? Vous avez quel âge, monsieur? 77 ans. On est là, deux étages. 7 fois le chiffre 1. 7 fois le chiffre 1. Ça fait 77. Ça alors? Non, c'est fantastique de... Ah oui, c'est super. Combien vous dites, toi? Ben, ça fait, et combien ça fait? 7 fois le 1, c'est 77. Vous êtes loin. Je suis loin. Alors, 87. Je suis encore loin. Ah bon? 91. Quel âge avez-vous alors? 94. Magnifique, 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 magnifique. Alors ça c'est magnifique. Bravo. Eh bien on vous félicite. Hein. Alors je vais vous dire quelque chose. Je suis de l'île Maurice, qui est très loin. De mon grand-père, les irrigations automatiques, ah, il prend les stations. Et bonne continuation, je vais tout continuer comme ça. Hein. Bonne chance. Bonne santé surtout. Hein. Au revoir, merci. Votre prénom. Bonne foi, Louis. Louis. Louis, bonne foi.
Notre-Dame de la Salette, la voie Maurice, à Grand-Bain, d'accord. Plein de panorins arrivent. Ouais, qu'est-ce qu'il fait Jean-Pierre? C'est-à-dire, sinon avec les bouteilles, on est obligé d'attendre pour sortir la boîte. Oui, que ton système est impeccable parce que ça nous permet le portefeuille et tout dedans. Oui. Les petites gadgets, les chocolats et tout. Ah, mais nous. Alors donc là, Gérard. Ils sont extraordinaires, je te dis. Mais c'est des vrais professionnels. Moi, je crois que ce sont des vrais professionnels, tu vois. Il y avait le bâton, tu vois, regarde ce qu'il y a écrit dessus. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus alors, dis-moi. C'est du patois, du béarnais. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ah, en béarn. Tousten et Naban, toujours en avant. Ah, comme, ah ben c'est pareil, Ultreya. Hein, en avant, plus haut, plus loin, voilà. Avec l'aide de Dieu. On se fait passer, Luc. Luc, on est une tortue ou on l'est pas, hein. Bon. Nous allons retrouver notre amie Régine. Ah, là, là, je vois. Eh, hey, oh. Hey, Gérard. Oui, on arrive chez Régine, j'espère. J'espère qu'elle est là, Régine. Hein. Alors, elle est là, Régine. Alors là. C'est Gérard la tortue. Bonjour, oui, la tortue. Tu te rappelles? Ouais. Voilà. Comment vas-tu? Ça va, et toi? Qu'est-ce qui est pour toi? Mais c'est joli, c'est vraiment mignon. Bon, ben tu vois, avec plaisir. Voilà. Tu vois, c'est très gentil. Voilà. Et puis, je t'ai même amené un petit cœur d'amour que je t'ai cueilli ce matin. Regarde comme il est beau. Il est beau celui-là. Hein. Ah. Tu te rappelles les petits cœurs d'amour? Ouais. C'est que tu as trouvé. Vous allez bien? Le prêt, tu l'as ramassé là-bas. Allez. Oui, ben, on va pas travailler. Voilà, elle est là. Allez, regarde, allez, la vedette. Voilà. Oh, Régine. C'est là-bas. Du gars là-bas. C'est un boudin. C'est du boudin. Ben alors, Luc, vous avez pas ça aussi dans votre pays ou quoi? Oh non, là-bas. Pas de boudin. Hein. Ça, c'est pas possible. Hein? Oh, personne te connaît. Il ne peut pas passer incognito, hein, Luc. Il a retrouvé des copains là-bas. Dit, le c'est toi, qu'est-ce que tu veux? Nous avons, c'est à cause du. Comment ça, le fruit, là? Vague! Vague! Le moulin de la folle. Le casse-croûte de nos amis. Super. On est à Nasminal alors. C'était un haut lieu du pèlerinage ici. Pour le départ vers Aubrac. Alors nous sommes aujourd'hui, Luc, le vendredi 1er juillet et nous allons partir vers Aubrac. Nous partons de Nasminal. Voilà, on met le blouson, puis on va monter sur le plateau de l'Aubrac. La dehors c'est sous bois. Alors deux Allemands venant de Nuremberg, deux mois de marche, ils s'en vont maintenant pour Saint-Jacques. C'est Aubrac, au lieu de pèlerinage. À boire, à boire, à boire. Luc, mais qui on retrouve? Nos amis du Béarn, Jean-Pierre, Nadine, Annie. Super, qu'est-ce qu'ils sont bien. Comment ça va? Mais ça va, cette nuit on a eu un petit peu d'eau, mais là ce matin le soleil s'est levé. Ah ben, c'est super. Il est encore avec nous. Bonne traversée de l'Aubrac alors. Ah, super. Oui. Ah, ça c'est le grand cérémonial. Voilà les amis. Alors n'ayez pas peur. Non, j'ai gardé vos amis. Ça alors. Adrienne, c'est bien le diplôme des aligots. Hein. Oui, surtout, vous voyez, vous le méritez. Là. Voilà, c'est super. Ah, alors là, on va le voir de près. Ah oui, c'est bien celui de Luc. Hein. Super, oui. Fantastique. Voilà. Mais oui, c'est ça. Voilà. À quel autre ça va être acheté? À côté ou vous voulez en voir? Oui, à côté carrément. Voilà. Sous le regard éclairé super. De notre
petite chatte. Magnifique parterre de fleurs, superbe. Alors, regarde-moi ça. Ah, ça avance. Un rock garden superbe. Et toi, c'est chéri, avançant. Ça, c'est belle. Elle est belle, hein? Oui. Lui, gros, on est ici. Dans, dans la grande vallée de Brac, c'est bien ça? Exact. Et là, où on va aller alors? À la Saint-Chély de Brac. Ah, le jeu des loges est tout à fait exceptionnel. Tu saurais le remettre en marche? Non. Oh, tu te crois où, Luc? Une clé dessus. Ah, tu vois? Une batterie. Tu vois, je savais que la clé est là. Ouais, il faudrait tout de même. Bon, il fallait passer un peu de temps, hein, mais ça marche. Ah non, le pneu est plat. Bon, c'est dommage. Ouais. Un millésime. 40 ans. 40 ans, il a? Minimum. Oh là là. Peut-être plus. Mais il semble... l'utilisateur s'en sert encore. Dis-Luc, tu crois pas qu'on les attendu à Saint-Chély là? Hein? Ah oui. Par contre, je vais enlever la merde dans mes chaussures. Ah ben c'est bien bon. Ok, là nous sommes on a quitté Aubrac pour aller à Saint-Chély. On va arriver dans à peu près 2 heures. Et, oui, encore 2 heures à peu près, oui. Non, mais c'est pas de problème. Non, pas du tout. J'ai un petit mal au genou, mais ça va. Nous voilà arrivés. Saint-Chély d'Aubrac. Alors on va le partager, vous allez en avoir la moitié. Oui, chacune un petit peu du fleur. Hein, c'est pour vous. Merci, monsieur. Je vais l'apporter aussi à notre dame là-bas. Ah, d'accord, c'est bien. Hein, voilà, regardez. C'est pour vous. Les petites fleurs des champs. Hein, elles sont belles. Les fleurs des pèlerins. Vous avez le pont des pèlerins. Ah, et il est où? Là. C'est là où passaient tous les pèlerins. Tu as vu le petit pèlerin là? Ouais. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle! Ouais. Et voilà Patricia! Fini. Bon, ben tout à l'heure, hein, Luc! Gérard, on te voit plus tard! Ouais, merci! Alors, le 2 juillet, Saint-Chély de Brac, temps magnifique, petit village. Après une nuit merveilleuse, dans des petits draps blancs, on était bien, on dormait comme 2 bébés. Les filles vont mourir là-haut. Il nous pense à toi, pense à toi, au pèlerino. Alors voilà ce que donnent les premiers rayons du soleil dans une si belle forêt. Magnifique. Bon, tu connais l'histoire d'Hannibal? Oui, Annie. Tu connais l'histoire d'Hannibal? Les balles ratchetées. Oui. Ah, oh. Voilà, je sais que se perd. On s'est perdu, et voilà. Aïe. Attention au canard. Hein. Eh bien, c'est bien, comme ça. Ah, oui. Voilà. Oups, ça y est, on est arrivé. Voilà. Est-ce qu'on a retrouvé le chemin? Je sais pas. Saint-Jacques, c'est par là. Avec des noms, on pense que ce sont des gens qui ont perdu leur vie sur le chemin. Ouais. Leur vue typique de cette région. Faut pas oublier que nous descendons depuis déjà 3 heures. Oh, attention hein, les amis là. C'est un peu difficile. Hein. On passera d'un objectif. Ah ouais, je vois. Hein. Même avec le vélo, c'est un peu plus dur. Hein. Oh, ben regarde. Ah, regarde, tiens, il passe bien. Hein. Madame. Chère madame, comment est-elle comme prénom? Marie-Noël. Elle vient du Québec. Oh! Et elle est partie à la nage, comme toi. Luc a trouvé un petit coin pour se reposer. Nous allons déjeuner.
et nous avons fait quand même pour la première fois une très bonne progression. Puisqu'en 5 heures, nous avons fait 14,5 km, ce qui prévoit de bons moments pour l'Espagne. Le repas qu'a préparé Luc est encore bon, avec la chaleur. Ça va être bon encore, Luc? Le beurre est pas trop fondu? Non, c'est super. Jambon de Parme, petit beurre. Que demande le peuple, Luc? Le peuple, il se tait, il n'embête pas le monde. Le pain, le beurre, le jambon. Oh, c'est Nicole et Tim. C'est un paysan qui râlait après mon chien. Toi, que je... Voilà Nicole de Mayotte. Tiens, c'est François Dumas. Et voilà François, un grand marcheur devant l'Éternel. Une petite douceur, François. C'est pas bien. Ce n'est pas le meilleur, hein. Tu n'as pas pris le meilleur. Hein. Ah bon? C'est loin la plage? Au bout du chemin. Ok. Oh oui, je le sais. Oui, je sais. Sainte comme d'autres. Étonnant ce clocher. Hein, ouais, étonnant. Ouais. C'est un village du Moyen-Âge. C'est un lieu de passage très important des pèlerins. Voilà, Moyen-Âge. Mince alors. Avant, c'est complet. Ah, c'est complet. Elle est du 18e siècle. C'est la porte de Rondelle. De prendre l'eau à la fontaine des pèlerins. Et voilà, c'est le départ pour Espalion. Nous arrivons à la très jolie petite église de Perse. De 1060, tu vois, elle a été remaniée au 11e et 12e siècle. Après, ils ont mis une chapelle gothique en 1461. 11e et 12e siècle. L'église mesure 25 mètres de long et 15 mètres de large. C'est très beau, hein, c'est quoi? C'est du... 5h15, on est levé. C'était super, il y a juste aux petites fleurs comme c'est mignon. Ah, voilà. Et tout est produit par la maisonnée. Hein. Je sais pas si on va pouvoir partir. Voilà. Tu as un château féodal, c'est là où se passait la vie du Moyen-Âge, tout se passait là-haut. Voilà. Le Lot, il n'y avait personne autour du Lot. Ok. Voilà. Alors là, nous allons vers Estin, une brume, fait frais, je pense 15 degrés, 20 degrés au maximum, mais on terminera la journée certainement à 35. C'est beau, hein? Magnifique. C'est froid et superbe. Allez, absolument superbe. On arrive où? À Béjou. Ok. Vous pouvez plus poser les pieds par terre. Et ils m'ont dit avec le sac, c'est m'étonnerait que tu puisses marcher beaucoup. Donc, voilà. Pourtant, vous marchiez comme des déesses. Vous étiez extraordinaire, Annie. La descente, elle a été... Ils sont tes amis, là. Mais ils sont derrière, moi je me suis avancée. Avec Nadine. Ça? Voilà. Ça? Ah, ça, c'est la tendinite. C'est tout ça. Alors, on a pris des anti-inflammatoires. J'en ai pris hier soir. Et qu'est-ce que la pommade, il peut y avoir une réaction avec le soleil. Oui, ils sont là, et oui, les merdes. Alors, pétard. Bientôt arrivé à Conques. Oh, 27. C'est une église romane du 11e siècle. La petite chapelle avec son sac et c'est impossible de passer. On était fort, hein. Il y arrive, venir. Une toute petite chapelle au sommet, tu vois. Alors, lui, qu'en penses-tu? Ah, super. Alors Geneviève qui arrive, que
que nous avons justement rencontré fait le périple. Elle a 80 ans. Après le voyage en 78, oui. J'ai eu un fils qui a été très très malade. Et à la suite de quoi, j'ai eu un cancer. Wow. Et je suis restée 6 mois à l'hôpital. Wow. Avec des chimios et tout le bataclan. En quelle année? En 89. 90. Donc ça fait déjà 15 ans de ça. Je suis restée à l'hôpital depuis le 15 août 89 jusqu'à fin mars 90. Oh là là. Et tu t'es remis à marcher. Et voilà. Et la forme est là. Cancer stade 3, elle était condamnée par les médecins. Ah bon? Elle, la foi, fait beaucoup. Hein. Oh là là. Voilà. Et voilà. Ah, elle a une foi à déraciner les montagnes. Ah ben voilà, mais en tout cas. Mais en fait, je crois que c'est une bonne leçon pour tous ceux qui ont des handicaps. Oui, voilà. Et puis qui se sentent diminués en disant ça y est, je suis foutu. Regarde s'il est beau. Château du Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'il est beau. Fantastique. Belle cavalière, écoute, bonne journée à toi. Merci, moi aussi. Voilà. De l'autre côté. Bon, eh oui, on y va. La fête à Elsin. La procession. À quelle heure elle est la messe, tiens, Elsin? À 11h. Magnifique. Super, il est beau, hein. C'est fantastique. Un pont du Moyen-Âge. Allez, Luc, on est pressé, on va à Elsin. Village d'Estin. Le château acheté par Giscard d'Estaing. Saint-Floret. Et c'est qui Saint-Floret? Saint-Floret, c'était la petite d'Estaing. Ah d'accord. Il a été évêque. Merci mille fois. Merci Léonard. On cherche l'hospitalité Saint-Jacques. Nous sommes pas loin maintenant, mon cher Luc. C'est bien, c'est bien. Les rues. Il est arrivé. Ma soeur n'est pas là, mais elle ne va pas tarder. Hello les pèlerins. Ça va? Qu'est-ce que vous dites de beau? Ben, tout à coup, on a été gâtés aujourd'hui. Hein. Ah ouais? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui de beau? On a été une bonne messe. Ouais. On a vu Giscard. Moi aussi. Toi aussi. Toi aussi? Oui, moi aussi. Oh là là. C'était Saint-Floret. Et maintenant, son bac pour l'Espagne. Et voilà le départ. C'est le grand départ. Salut Luc, salut Gisèle. Salut. On est parti maintenant pour l'Espagne. Lundi 4 juillet. Nous sommes à Burgos, en Espagne, devant une magnifique cathédrale. Au Cebreiro, en Espagne, et nous allons débuter notre périple. D'ici, pour débuter, nous visiterons l'église, qui me semble pas loin du tout. L'aventure est au bout du chemin. Et Adelina. Adelina. Et c'est où il est, Camille? Et Camille va pour la suite. Ah, d'accord. Ah, Gérard s'est trompé. Allez, on y va. Et j'ai vu Adeline, j'étais impressionné, je suis venu. Ah, on s'est trompé après 2 minutes de marche. Allez, c'est parti pour l'Espagne. Il a enfin trouvé le chemin.
On est parti à 151. Oui. Et là, il reste 146.5. Tu vas en voir comme ça des... Elle est magnifique, celle-là. Saint-Jacques, tu nous attends, oui. Imaginez-vous une petite chapelle. Que se passe-t-il sur le Camino? 25 à 30 km par jour. Oh là là. Pour les 5 premiers jours, il faut le faire. Et si jamais on s'arrêtait... Ouais, si on remontait au paillot, non? Un petit quart d'heure de repos et on repart. Alors, les auberges, qui s'appellent Alberg. Combien de kilomètres pour aller à Tricastella? Et où va dormir Luc et Gérard? Nous ne le savons pas, le petit loup. Ah, oui, ok, d'accord. Mais... Il a dit 10 km. Oh, oh. Tu sais, c'est un peu dur. Hein? Ah, lui qui l'a déjà pris en 3 minutes, il m'a pris 100 mètres. Mais c'est pas grave. Lucas, rythmé, freiné, effrayant et effréné. Quel pas. On va vite, on avance. Il fait pas chaud, il fait frais, mais il faut boire. Il faut bien boire. Encore oh, une de ces petites beautés. Oh, oui. Pas superbe ça. Alors 136.5, il nous reste encore 7 km à faire, tout au fond. On est arrivé pour 10h au soir. Voilà. C'est un gros défi, hein, oui, pour le premier jour. Tu parles très très bien le français. Merci beaucoup. Ah, tu vois. J'avais jamais oublié le français. Parce que je peux faire des brins de causette tous les jours. Mais c'est bien. Enfin, et tu nous dis que tu vas chercher ton journal à Tricastella. Oui, oui. Et tu habites où alors? Il y a 7 km du petit village où j'habite, de Bedoedo à Tricastella. Et combien il te faut de temps alors pour faire la distance est facile, ça ne fait que descendre. Et j'arrive à Tricastella à 1h30. Non, mais... Magnifique vue, à quelques kilomètres. De la destination. Mais but a lot of friends in Mauritius told me you must read that before going yes, to there are more practical books. I guess so. I guess so. French books and American books. So my friend, books. You know my friend, he's a very special guy. Look at what he looks for during his trip. What does that look like? Bon, ah, il est beau, hein? Looking. C'est un cœur d'amour. I ask him. He looks for... I'm looking to see if there's anything unusual on the surface here. No, it's just that it looks like... Yes. John, c'est un cadeau, John, c'est un cadeau pour toi. That's right. C'est un cadeau pour toi. Non, mais c'est vrai qu'il est bien, non? Mon cœur de pierre. Voilà, exactement. Non, là, il y a 4 mètres de racine, de largeur. Oh, 132. Il y a des petits enfants ici. Beauté. Ah. Excellent. Les flèches du Camino. Fatigué. Ouais, mais c'est normal. Oh. C'est pas un gros problème, hein? C'est un problème. En France, in France, il y a beaucoup de Portugais. Ça va? Portugais aussi? Oui. Ah tiens, portugais encore, tu vois? Non. Tu n'es pas portugais? Tu as salué quoi? Non, rien portugais. Rien portugais. L'albergue est complète. Ici, quelques pèlerins campent. Et nous irons ailleurs. Oui! Oh! Fantastique! Noël de Pérez Fernandez. Fernandez. Noël de Fernandez? Là, il y a un petit cœur. Hop, attention le ton. Voilà, super. Merci. Voilà, super. Luc, on va te faire le lit. Est-ce que ça te plaît, mon Luc? Je suis ravi. Tu vois? Voilà, là, on est vraiment, là, vraiment, on est chez les gens. Là, c'est vraiment, alors, hein? un ancien hôpital. Hôpital de Pellegrino. Absolument. Bonjour Luc, bonne nuit. Non, quelle heure est-il? 5h30. Luc fait chauffer sur la petite cuisinière dans le jardin notre petit déjeuner. Voilà, petit déjeuner, le petit café qui va se faire, qui va être super. Bon appétit Luc. Ça va? Pas trop fatigué? On a combien de kilomètres aujourd'hui à faire? 25, ok. Et avec une belle tartine de beurre. Avec du jambon. Ah bon, le beurre.
vin était très bon. Le vin est excellent. Il est excellent, oui. Je ne retiens pas. Il est parti. Il ne contient pas de matière grasse. Oui, d'accord, je comprends. Alors, borne 124. Voilà. Avons déjà fait combien, Gérard? 6 km depuis ce matin? On a fait 5 km. 5 km 8, à peu près, près de 6 km. Alors, bien entendu, il fait très sombre. La brume, la petite pluie. Mais enfin, j'avoue que c'est une épreuve extraordinaire. Un coup de golf. Et sous Eya. Ouais. Deus adjubanos. Voilà, la fatigue est déjà là. 122.5. We have started again in Spain. C'est Aline Nanil. She's from Hungary. Un bouquet pour toi. She worked for 6 weeks. Which sport you started? Where you started your work? Regarde, il est beau. Regarde. And super. It will take you. Buen camino. Buen camino. Okay, enjoy yourself. Have a good day. Bye, Gérard. Voilà. Gérard fidèle avec ses bouquets. Et l'intérieur, semble-t-il qu'il y a encore des célébrations. Un confessionnal, je ne sais de combien d'années. Oui. Allô. Hey, nos amis, oui. Oh là là, Maria Grazia. Tiens, regarde. Tu vois, c'est là c'est le magie paysage. Non, elle a un beau pas. Elle est super. Je dois faire du pied à pied. Je suis parti le dîner et maintenant j'arrive à Compostelle, je suis contente. Vous faites combien par jour alors? À peu près 25. 25 km par jour? Oui, à peu près. La croix des pèlerins. Tu vois Luc, on a rencontré un sacré personnage. La croix d'une côte, fraîchement. Là tu vas avoir une surprise. C'est le seul endroit au monde où il y a un Christ dont le bras est bas. Qui veulent aller à la poule pourrie de Mélide. Les pèlerins viennent se restaurer à la poule pourrie. Poulpe, hein? Un beau poulpe, hein? Oula. Et hop, et voilà. Tino la tortuga. Ouais, tu vois. Regarde un peu comme elle est forte. Ça, c'est la grande, la reine de la poulpe. Hein, Luc bavarde pas trop, mais il s'est vite fait des copains dans la polporie. Et voilà le beau Christ de Mélide. 50, hein? Oh! Il y a du monde, hein? Oh, lol, lol, lol. Entrer dans la forêt d'eucalyptus. Regarde, regarde, regarde comme ils sont grands ces arbres, regarde. Aïe, 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 aïe. Alors, hello! Hein, ok. T'as vu un peu, ils se baignent, hein? Tu vois tes pieds, là? Ouais, on peut se baigner les pieds, là. Non, non, mais toi. On pourrait, hein? Prendre un peu le temps. Ah, les bonnes! Oh, les caminos! Buen camino! Buen camino! Je cambie l'albergue pour la sauver dans la cama. On répare les petits pieds, ils sont malades. Allez, ça va peur. Allez, pas bien, là? Luc a pris les bonnes habitudes d'Yves Maurice. Donc, il vaut mieux aller s'y mettre dedans. Et je crois qu'il a raison. Allez. Oh. Le chemin s'est calmé. Tout le monde se repose. Plus un bruit. Qu'est-ce que c'est beau la vie. Alors, une rencontre à Gérard. Les pèlerins qui habitent pas loin de chez lui. À cette voie lactée de Compostelle, on est 8 et vous pourrez un jour vous
Voilà. Salut les Français. Salut. Ouais, il est mort à 25 km du. Le 25-93 à 25 km de Saint-Jacques. Tu vois une petite pierre de passage. C'est assez. C'est très impressionnant. Ouais, c'est tiens, mais c'est pas Sabine, hein. C'est pas la fille qui était à côté de moi au. Sabine tu vas bien? Oui, très bien. C'est, tu n'aurais pas des fois perdu ton pantalon à. Oh non, c'est toi. Hey, il est là. Tu apprends mon pantalon? Je pense que. Ah, Gérard qui retient tout pour retrouver. Retire, on allait le pantalon de l'ami. Voilà. Pantalon et ça. Là. Allez. C'est ça le chemin. Tu vois Luc, voilà. Je te dis que le chemin c'est incroyable. Voilà. Ça fait 4 jours qu'on balade les affaires pour ouais, ouais, ouais. cette jette de Sabina ouais, dans ouais, la. Ouais. 4 jours ouais. Voilà, hein. Bon, allez. Nous sommes dans la grande forêt d'eucalyptus à 20 km de Saint-Jacques. Une maison désaffectée où des centaines ou des milliers de pèlerins dorment journellement. Luc ! Ah, j'entends du bruit. Tiens, il y a des affaires par là. Ça alors. De l'autre côté du pont. Voilà, Lucky! Oh. Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est un régal! Oh, mais hey, tu sais que tu dois aller à la bord de caisse? J'ai fait ça! Ah, ça y est, tu y es? Et l'hôtel, il était où? M'en fous! Je vais te dire, Luc. C'est bien. Ça a été très dur aujourd'hui. Oui. Parce que ça fait déjà 2-3 jours où tu me tires en avant. Et tu vois, c'est celui-là là qui va mal. Celui-là me fait mal, j'ai mal. Ça me fait très mal à mes petits doigts de pied. Alors, mais d'un autre côté, lui, regarde. Ouh. Oh merci. C'est vrai que ça fait du aïe, bien. Aïe, 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 aïe. Oh, l'eau est glaciale, hein. Elle doit avoir, à mon avis, 8 degrés, 7 degrés. Sur les montagnes. Oh, ça fait mal aux pieds. Mais c'est délicieux. C'est bon, hein? Tu vas essayer les tiennes, là? Je suis en train de. Oui, je vais essayer les. Dépêche-toi, quand c'est dans 3 quarts d'heure, les hôtels ferment. Ah, d'accord. Comme tu prends à peu près ce temps-là, tu peux pas, hein? T'as des belles petites chaussettes, hein? Oui. Chaussettes intelligentes. Monsieur Bax s'équipe. Il n'a eu une seule ampoule. Traité de main de maître. Ouais, traité de main de maître. Et Gérard, voilà ce qu'il va essayer de mettre parce qu'il a tellement mal à ses petits pieds. Mardi ou lundi, parce que je rentre dimanche soir. 7h-20. 7h-20. Et on est où? La bord de 15? À bord de 15. Gérard Trèves enlève toute la cacade. T'as vu? De son sac. Il remet tout sur le chemin. Ça prend une demi-heure, et là c'est menti, là il fait ça pour... Regarde. C'est pas vrai, là il triche. T'as vu les petits pétons et les chaussures? Alors là. Les chaussures, il va falloir que je les porte autour du cou. Alors dans exactement 5 minutes, ça, il aura redéballé tout. Ça, il va falloir les mettre ici, comme ça. Autour du cou. Voilà. Je pense qu'on va nous refuser toutes les chambres d'hôtel à la vue de ce pèlerin. Bizarre. Non, attends, je vais te dire, l'odeur c'est pour être sur le chemin, ça te donne l'esprit du chemin. 13,5 km. Eh bien. L'ombre suit Luc. Les derniers pèlerins arrivent en vélo. Toujours pas d'hôtel. Gérard, est-ce un signe que nous approchons? Je crois qu'on n'est pas loin là. D'accord, alors donc... Je pense qu'on va essayer de descendre un peu. Allez, d'accord. Parce qu'on cherche toujours l'hôtel, on a toujours pas trouvé. Bon. Alors là, tu as la montée d'El Gozo. C'est donc le monument où il y a le gîte. Et c'est un gîte de 2000 places. Ah, d'accord. Et nous allons descendre justement sur le soleil couchant de Saint-Jacques. Bon, ok. L'Occident, c'est la mort du soleil pour mieux renaître demain. Voilà, au pied ici, vous avez Saint-Jacques de Compostelle. Nous sommes arrivés, esquintés, 11h30 du soir. Voilà lui qui arrive. Bien. Ah, nous voilà à Saint-Jacques. Et il y a la fête déjà ici, mais nous arrivons avec mon bon Luc. Voilà. Luc, t'es là et Gérard va venir te voir. Nous voilà. Tapis.
Allez, hop là. Ah, super, enfin y est. Ouais, super, ouais. Y a la fête, hein. Les menus arrivent et y a la fête, là. C'est l'endroit un peu de réunion de tous les pèlerins. Voilà, la basilique. Pèlerins à vélo. C'est la grande rencontre de tous les pèlerins, voilà, c'est devant, voilà, devant la cathédrale. Voilà. Et cette cathédrale qu'on a en vue hier. Ce qui est très intéressant, Luc, c'est le mélange qu'on a ici entre les touristes et les pèlerins. Bravo, bravo les pèlerins. Super. Fantastique. Au revoir. Intéressant, sur les blasons il y a les coquilles. Nous voilà partis pour le Finistère. Toutes ces petites pierres sont les pierres des pèlerins. Ouais. Comment tu appelles ça, au bout du monde? Ah ben là ici tu es au bout des terres. D'accord. Parce qu'ils descendaient à la mer, on va regarder là dans un instant, ils allaient brûler leurs habits. Ils prenaient les coquilles et Saint-Jacques et ils rentraient chez eux parce qu'il fallait faire le retour. Oui. En général je me sens tout de même nu. Ah. Rien sur l'épaule, rien devant soi. Léger. On se sent léger. Hein. Tu vois, c'est quand même fort parce que tout à l'heure, je parlais d'allègement de l'âme. Ah, oui. Et c'est vrai que le fait d'avoir quitté notre sac. Ah, lui aussi, il est soulagé. Hein. Ah, c'est sûr. L'âme aussi, le moral, le mental, le physique, tout. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la tortue est devenue lièvre. Alors, c'est ça le miracle. Hein. Ouais. En tous les cas, merci, Luc. Merci Gérard, et j'ai gardé mes lunettes, tu sais, pas pour rien, pour qu'on ne puisse pas trouver à travers ce que je ressens. Merci Luc. Et bon chemin de vie. Merci Gisèle. Et merci Gisèle.